même un médecin, camarade Domesman, vous connaissez mon métier, même un médecin, puis je vous dis, qui fait des affaires de l'hôpital pour vieillir une séparée, même maladie, une fausseté, ça, je ne sais pas comment ça veut dire. L'hôpital a fait appeler l'hôpital gériatrique, qui fait exister dans les autres pays. Moi, mon travail dans l'hôpital gériatrique, dans Canterbury, spécialisé là-dedans. Parce que beaucoup de gens ne pas réalisé, même maladie, un dimon gagné, même maladie, un vieux gagné, un dimon âgé gagné, il peut réagir différemment. Nous pouvons introduire un bracelet à l'air. Souvent, une personne âgée, à cause de ses enfants, le travail, etc., elle est tout seul dans la table. Il prend un bracelet, elle dit qu'on lui pèse, il y a un petit appel, voilà. Il dit vous finissez qu'il y a un problème de capacité. Il va tomber, il va tomber. Il met ça dans le feu. Un dimoun, l'intrimé, l'intravail, l'inrent dans l'âge. Mais il a besoin d'un loisir. Il a besoin d'une place. On se dit, on peut dire que ça dit, là, capable, elle a mal passé de détente, de loisir. C'est pourquoi nous faire une sorte de récréation. 300 centimes déjà construits. Un point au centre, deuxième Bellemort, troisième point au piment, et un quatrième qui peut construire à Rionville. C'est mon engagement pour vous inquiéter le National Pension Fund. Respectez sur l'indépendance. Respecter le drapeau d'actuaire qui est là, mais amène pas le changement qui vise à amener à National Pension Fund pour que quand l'âge de la retraite arrive, tout le monde qui contribue dans le National Pension Fund, les gagne une somme, une pension décente. Et au gouvernement, nous vous donnons une attention spéciale au cancer. Bonne maison pour bonne vieux, bonne house. Bien sûr, nous tous connaissons. Les meilleurs, c'est bonne famille, réussir au kit de bonne grand monde. Et là, parfois, même dans bonne home, bonne meilleure home, ce qui est là. La solitude, qui parfois, une fois de lourd, les épaules, bonne grand monde. Donc, nous combattons pour faciliter. Pour rendre plus joyeux la vie de grand monde en général.